Sur le tarmac de l'aéroport Charles de Gaulle, Florence Cassé tombe dans les bras de son frère Sébastien. De retour en France, celle qui est restée prisonnière pendant 7 ans est toute à sa joie. Bonjour la France, je suis très contente d'être ici. Merci à tous, je suis très contente. Beaucoup d'émotions. Je crois que j'ai été innocentée. La Cour suprême a déclaré ma liberté immédiate et absolue. Et libre, je l'ai toujours été dans ma tête. Pour Florence Cassé, la décision de la justice mexicaine de la libérer revient à l'innocenté. C'est ce qu'elle s'efforce d'expliquer devant la foule de journalistes venus assister à sa conférence de presse. Oui. Moi, j'ai même pas encore vu la résolution de la Cour suprême. J'ai été notifiée, j'ai signé, mais j'ai pas vu comme vous avez pu le suivre, je pense, à la télé en direct. Je sais pas ce qui s'est dit, mais je pense qu'elle a décrété le fait qu'il n'y ait pas de nouveau procès. Et donc, elle laisse clairement comprendre que c'est une liberté absolue et immédiate et pour innocence. Innocence, 3 des 5 juges de la Cour suprême mexicaine ont reconnu que les droits fondamentaux de la Française de 38 ans avaient été violés au cours d'un procès entaché d'irrégularité et après une vraie fausse arrestation mise en scène. La justice mexicaine a cassé la condamnation de la Française et ordonné sa libération, mais elle ne s'est pas prononcée sur sa culpabilité.